A pas la peur. A pas la peur. A pas la peur. A pas la peur. A pas le salut. Salut. Le 8 millions. Le 8 millions. Le 8 millions. Le 8 millions. Ou pas d'école. Pas d'école. Pas d'école. Cette manifestation des enseignants de l'abbé, affiliée au SLEC du camarade Abubakar Souma, a vite été dispersée par un détachement de la compagnie mobile d'intervention spéciale qui a fait usage de gaz lacrymogène. Pour cette sortie, l'antenne locale du SLEC a été confrontée à une sérieuse difficulté de mobilisation. On a été confronté à d'énormes difficultés. Des difficultés d'abord internes, liées au fait que la majeure partie des enseignants n'ont pas répondu à l'appel. On n'était qu'une trentaine dans une grande ville comme celle-là. Bon, c'est qu'ils ont eu peur, ils ont été intimidés de façon d'abord très stratège, parce que même dans le bureau exécutif, vous voyez, on est au nombre de 17, il n'y a eu que 4 qui ont répondu à l'appel. Ça indique réellement un problème à l'interne. Une assemblée générale extraordinaire des enseignants de l'abbé est envisagée pour exclure des rangs du SLEG ceux qui sont qualifiés de traîtres. Tous les enseignants se sont mis d'accord de convoquer encore une assemblée générale à laquelle nous allons destituer d'abord notre secrétaire général. Il n'est pas sûr et tous ceux qui ne sont pas présents, la base elle-même qui a réclamé l'AG. Il faut le destituer, c'est ce qu'ils ont dit. Vous étiez là-bas, je crois bien. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut enlever le nyama là, sur nous. Aucun cas de blessé n'a été enregistré du côté des manifestants qui affichent leur détermination à battre le pavé chaque fois que le besoin se fera sentir, malgré la mesure des autorités gouvernementales portant interdiction de toute manifestation sur toute l'étendue du territoire national.